Bonjour. Dans cette position, issue de la partie Braun du Bojevic, jouée à Tilburg en 1978, c'est au blanc joué. Et ils ont ici, on voit qu'il y a un beau trou dans le roc noir, mais rien qui vise directement, sauf peut-être le fou ici, mais à travers un pion en partie protégé. Et la dame un peu hors-jeu. Mais les blancs trouvèrent une belle attaque qui leur permit de gagner. Je vous laisse réfléchir. Alors dans cette position, les blancs jouèrent simplement dame B4, qui déjà attaque ici au centre et menace vraiment la position. Pour empêcher ça, les noirs jouèrent dame D7 qui protège la case visée. Alors les blancs jouèrent dame H4, ce qui leur permet d'attaquer le roc, même s'ils n'ont pas pu faire cet échec. Et les noirs jouèrent roi G7, parce que cette fois-ci, c'est ce pion-là qui était visé, et non protégé. Et là, ils jouèrent excusez-moi, le cavalier était là, j'espère que ça ne vous a pas perturbé, parce que le prochain coup, c'est très fort, est cavalier D4. Un très bon coup qui permet de menacer cette position, aussi celle-là, et pour éviter l'attaque, les blancs, les noirs jouèrent F5. Mais ils jouèrent alors fou C2, qui menace le pion, qui menace indirectement la case H7, et la position est complètement complètement cuite. Essayez un peu, maintenant c'est au noir à jouer, essayez un peu de voir la suite. Dans la partie, les noirs ont abandonné. Donc je vous laisse réfléchir, bien essayer d'imaginer comment la suite a pu se dérouler de cette violente attaque où maintenant plein de pièces visent directement le roi noir. Voilà, alors je vous laisse ça, et prochaine position dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.